Alors, j'ai bien reçu ton alternateur et ton contrôleur. Donc, première chose, j'ai enlevé les fiches XT90 là que tu avais mis. Il y avait un faux contact sur la face jaune. Donc déjà, c'est pas terrible. Alors, on va faire un test sans mettre l'alimentation sur l'induit. Bon, alors sans l'induit, il fonctionne plutôt pas mal. Là maintenant, j'ai raccordé une batterie 12 volts sur l'induit. Alors il fonctionne, mais bon, je trouve qu'il tourne vraiment pas vite. Alors du coup, j'ai voulu tester les charbons par rapport à la masse. Donc on va voir si ils sont à la masse ou pas. Alors là, je me suis raccordé sur la carcasse du contrôleur. Et là, on se met sur les charbons. Voilà. Donc là, ça fait 400. Enfin, bon, le contact n'est pas bon là. Mais bon, ils sont à la masse. Donc forcément, ça peut pas fonctionner correctement. Alors du coup, je les ai démontés et je les ai vérifiés comme ça en étant démontés. Et là, on n'est pas à la masse. Donc c'est pas la platine qui a été mal isolée. En plus, je vois que tu as coupé là sur le côté donc pour couper la piste du moins. Donc ça, c'est parfait. Par contre, ton rotor, lui, il est à la masse. Et ça, c'est pas normal. Il doit être isolé. Donc ton problème vient de là. Donc là, je l'ai remis sur la masse, mon testeur. Et là, on teste sur les bagues collectrices. Et on voit, on a 0,5 kilo-ohms. Ça fait 500 ohms. De l'autre côté, c'est pareil. Donc c'est ton rotor qui est à la masse. Donc là, je te le montre sur un autre alternateur. Les charbons sont ici. Donc là, je me suis mis sur la carcasse. Là, je me branche dessus. Hop. J'ai rien du tout. Donc là, je ne suis pas du tout à la masse. Par contre, si je me mets sur la vis, là, voilà, là, j'ai continuité. Donc sur l'autre borne, c'est pareil. Hop, j'ai rien du tout. Voilà. Donc là, les charbons sont bien isolés de la carcasse. Alors, on va le remettre en ohmmètre. Donc, si on teste ton rotor directement, là, on va se mettre ici sur les bagues et sur le roulement. Voilà, on est en défaut. On va se mettre sur l'autre bague. Hop, c'est pareil. On est en défaut. N'importe où sur la carcasse, ça se met en défaut. Sur le ventilateur et sur la bague, on est aussi en défaut. Voilà. Donc le bobinage du rotor, il doit être, comment dire, le vernis doit être claqué. Du coup, il est en défaut d'isolement. Alors, comme j'ai voulu savoir un petit peu plus ce qu'il en était, j'ai démonté la bague collectrice. J'ai mis à nu les. Donc là, on a le bobinage de l'induit, du rotor. Donc là, on a les deux fils des bobines. Le plus et le moins. Donc là, on va tester. Savoir si on est en défaut ou pas. Voilà. Donc entre le bobinage du rotor et la masse, on n'est pas en défaut. Donc c'est pas le bobinage qui est claqué, c'est juste les bagues collectrices qui étaient mortes. Donc bah, si tu veux, je peux les changer.
Ça coûte pas grand-chose. Et puis je peux te le renvoyer si tu veux, si tu en as besoin pour faire autre chose. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en marche et le faire tourner. Bon, c'est pas hyper violent, mais ça fonctionne.